J'ai pas lancé de VOD. Bonjour la VOD. On est sur... Diablo 4. Découverte. On avait... J'avais fait la bêta un peu, et c'est tout. Et du coup... Il y avait pas les doublages en français, je crois. Et du coup, là, on joue... Et du coup, je vais me cacher. Cool, la VOD. Ah, du coup, on vous voit, attention. J'ai peur, wesh. Ils ont flairé notre piste. Tu veux qu'elle casse la plus swag. Je vais jouer nécromancien. Oh, vous faites coucou sur le live. Ah, c'est trop mignon. Je voulais cacher le chat, voyez. Bah finalement, je vous laisse. Allez. Coucou. Coucou cache. T'arrêtes pas. Oh, l'écran, il est immonde. Mais t'es complètement malade. Il va jamais s'en tirer. Avec les émotes énormes. Non, mais j'y peux pas. Que ta lumière éternelle me... J'ai gagné. Oui, arrêtez. Regarde-moi. Juste derrière cette porte. Des montagnes d'or nous attendent. J'aurais parié, j'ai commencé à écrire nécro dans le chat. Bah oui, nécromancien, c'est trop bien. Non mais il y a plus d'intensité dans la... Attendez. Je me concentre. Brise le soul. Brise le soul. Oh, la voix de Fedor Atkins. Atkins. Je sais plus s'il reste à la fin. Je sais plus. Oh, lumière, aide-moi. Oh mon dieu, des monstres, mais avec les mottes. Ah, des hommes. Visage choqué. Ouvrirons. Le sang montre. Des monstres et une mouette. J'ai aussi une autre mouette de mouette, hein. Animée en plus. Faut les trouver, mais j'en ai. Le sang. Voilà, c'est ça la clé. Hey, le sang est la clé. J'ai besoin de personne. Vite. Allez, je les retiens. Quelle bande de sales gosses. Alors, il est écrit que le sang de plein gré doit se répandre. Non, mais dites-moi que j'ai rêve. Je suis pas concentrée. Ah bah ça, c'est des nécromanciens un peu, on dirait. Ils donnent leur sang, là. C'est... Truc de nécromancien. Trop tard pour lui. Des chromes anciens. C'est triste qu'il soit mort. Ah, après tout, c'est la vie. Ça sera plus simple de diviser leur en trois. Quand je fais une prise de sang, je suis des chromes anciens, du coup. Ah bah, celui qui te fait la prise de sang, un peu. Surtout si il a des trucs écrits au sang sur son visage. Par trois des hommes, par trois la voie ouvriront par le sang de... Voilà, encore du sang. Plein gré. Gloire. Gloire au créateur. Oh. Gloire à la fille de... Oh non, non, ah, non, et non. Notre or dans tout ça. Où est-ce qu'il est? On s'est fourvoyé. Il s'agit d'une invocation. Je refuse de continuer. Ne m'en pas. On est venu ici pour un trésor. C'est quoi cet endroit? Les cinématiques sont toujours incroyables. Mais oui. Bah, ils ont fait le film Warcraft. Il a peut-être pas super bien marché, donc je sais pas s'ils en feront. C'est un portail. Oh là là, cette voix rauque, stylée. Mais ouais, bah moi, des versions vraiment film ou série de Diablo ou de Starcraft, ce serait trop cool, hein. Et le sang en est la clé. Ah, trop stylé. Dans Warcraft, j'ai bien aimé perso. Moi aussi. Bon, parfois pas forcément très lisible, je trouvais, pour quelqu'un qui connaissait pas trop.
Mais ça m'a pas empêché d'apprécier. Et puis j'avais mon copain qui m'expliquait à côté. Quand j'avais des trucs que je comprenais pas tout à fait, ou des noms où ça me disait rien. Béni soit Akarat, que ta lumière éternelle me protège, que ta sagesse divine me guide, que les ténèbres m'appellent, guide mon âme vers ta lumière sacrée. Depuis l'abîme, apporte-nous le salut. C'est la voix de qui? C'est la voix de Féodor Atkin. Par trois, la voie ouvriront. Par le sang, de plein gré. Nous t'appelons. Qui ça? Féodor Atkin. Viens. Hello, Stiffy! Béni soit Akarat, que ta lumière éternelle me protège, que ta sagesse divine me guide, que les ténèbres. Quelle voix, ouais. C'est vraiment un doubleur extrêmement marquant. Enfin, comédien de doublage, pardon. Lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle, protège-moi, lumière éternelle. Il n'y a pas de lumière ici. Tu es venu chercher la connaissance dans les ténèbres. Cette cinématique. Ouais. Oh, oui. Oh, il l'a. Et tout le savoir que tu cherches est ici. Soumets-toi. Il a utilisé un sort de charme. Les mots. Pas possible. Ramène. Par trois des hommes. Par trois, la voie ouvriront. Par le sang. On revient si on te dit Elrond. Tout à fait. Nous invoquons. Puis pour d'autres rêves, ça va de aussi qu'on entend dans V pour Vendetta. V comme Vendetta. V pour Vendetta ou V comme Vendetta, j'ai oublié. Oui, Dr. House aussi, oui. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu en 18 plus là. Vcom, merci. Fille de la haine. Créatrice de sanctuaire. Peggy 18. Gloire. Allez, les... Coucou. Rue infernale. Oui, sur Table Quest, il fait le narrateur, je l'avais reconnu. Effectivement, c'est trop bien. Peggy 18. Ok. Béni sois-tu, mère. Waouh, comment c'est classe! Oh! Peggy 18. Oui! Oh, mais ces cinématiques, elles sont incroyables! Oh là là! Oh là là! C'est Lilith, c'est ça? Ah mince, c'est un peu fort peut-être. Elles sont peut-être un petit peu fortes les émotes, je vais les mettre un tout petit peu plus bas. Parce que vous êtes complètement fous! Bon après on va se faire chier parce que c'est du Diablo et ça va se calmer. Mais là vous êtes trop fous là. Je vais un peu baisser, juste un petit peu, les alertes. Voilà, ça devrait aller je pense. Bon. Si, ça c'est nécro. Is ok. Y'a nécromancien, ne t'inquiète pas. Oh le oui. Y'a bien la classe que je vais choisir. Galère un jour, c'est une idée. C'est quand j'ai le tab en fait. Quand j'ai le tab, voilà, là j'ai le tab, c'est en galère. Quand j'ai le tab pas, y'a pas de soucis. C'est là le tab qui est pas fou, ça va. T'inquiétez pas.
Ouais, c'est quand j'ai le tap. C'est juste quand j'ai le tap. Du coup, on a barbare, nécromancien, sort. C'est vachement fort encore, non? Non, c'est peut-être fort pour moi. Voleur et druide. Donc avec les druides, on a les petits loulous. Moi, je voulais une classe avec des pets. Les loulous, on verra le côté druide. Franchement, c'est possible que... En vrai, j'ai envie de tester toutes les classes potentiellement en deuxième perso. En premier, ce sera nécromancien. En deuxième perso, j'ai envie de les tester tous, mais ça sera peut-être entre voleur ou druide. Et non, il n'y a pas Demon Hunter, mais c'est voleur qui remplace. Mais effectivement, j'aimais beaucoup. Tu vas play avec Roel? Bah, ce soir, je sais pas s'il sera là. Merci, Alex Vrizen. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. Il paraît que c'est super fun à jouer. J'ai pas eu le temps de tester. Mais je veux approfondir le gameplay nécromancien, de toute façon. Mais je pense que druide, c'est sympa. Et je pense que rogue, c'est sympa aussi. Et je pense que les classes un chouïa délaissé, c'est barbare, même qui est peut-être la plus délaissée, et un peu sorcier. J'ai l'impression. C'est peut-être qu'une impression, c'est... voilà. Oui, tu te transformes en Winnie Lawson sur stéroïde. Ok. T'as joué guerrier. C'est bourrin mort, super défouloir. Mais j'ai pas du tout aimé le doublage de la voix. M'a je fait l'entendre toutes les deux minutes. Ah bon, c'est vrai. Merde. Tu peux choisir la voix, Sam. Normalement, tu peux choisir. Non. Bah non, tu peux juste choisir fille ou garçon en voix. On peut choisir le type de morphologie. Ok, alors on va se faire une nécromancienne bien stylax. Hop là. Bien stylax, bien vénère. Est-ce qu'on l'a fait déjà comme si elle était mourante? Non. Je parle pas de la streameuse que bien sûr personne ne regarde mais que tout le monde connaît évidemment. Je parle de mourante le fait de plus être trop en vie quoi. Oh les yeux rouges. Oh mais je suis obligée d'être trop dark. Je suis obligée. Après, les yeux bleus, c'est stylé aussi. Les yeux bleus sur fond noir, c'est pas mal. Nécro reste mon perso préféré. Ok. Nécroloxienne. Oh, c'est bien ça, Nécroloxienne. Moi, j'ai fait ça morte, mais vivante. Ouais, souvent, on aime bien. Hein. Variante de visage. On dirait qu'elle pleure un peu. On va voir. Je vais tester des trucs. Je vais essayer les yeux rouges. Coiffure. Oh, ça c'est stylé ça. Ça moi j'aime bien ça. Avec les trucs devant. Je crois que c'est ce que j'avais fait pendant la bêta. Je suis plus trop sûre. Ah voilà les cheveux. Est-ce que je peux avoir un rouge? Oh on a du rouge à laver. Un petit peu de laver. Sinon on fait autre chose. Mouin. En fait, les yeux bleus, ça pète plus que les yeux rouges. Ouais, je vais faire ça. Parure. Ah oui, c'est le make-up qui fait tout, c'est vrai. Oh, ça, c'est bien, ça. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Faut que ce soit un truc qui maquille un petit peu, qui colore un petit peu ce côté-là. Ça aussi c'est pas mal. Tu pourras changer le maquillage. Ah ouais. Yeux rouges et rétine noire, c'est grave stylé. C'est vrai que j'hésite. C'est mes tricky, je m'enfuis, bisous. Tatouage à la Kratos. Ah oui, il y a les tatouages aussi du corps.
Non mais rouge un peu luisant, on dirait un peu que la meuf elle s'est étalée son tampon partout quoi. Système D vous me direz. Mais je vais prendre plutôt plus foncé. Oh c'est sympa ça. Oh la... oh le swag. Oh j'aime bien ça. Oh bleu. Oh c'est pas mal en fait. On va garder un côté bleu. Moi, je veux qu'on voit sur cette oreille du bordel. L'autre, je veux pas. Ok. Is ok. On prend tous pareil presque en RP. Ah, c'est vrai, bah, c'est que souvent le côté nécromancien, ouais, c'est un swag un peu particulier, quoi. Alors que voleur, par exemple, t'imagines plein de looks différents, je trouve. Sorcier, bon, on imagine un peu un style, mais pareil. Mais c'est vrai que nécromancien, c'est vraiment un archétype, quoi. Après, honnêtement, les peaux plus foncées, c'est swag aussi, hein. J'aime bien. Le côté peau foncée, c'est sympa. Mais si je lui mets des cheveux du coup un peu différents. Pour que ça fasse un petit peu un contraste. Genre des cheveux blancs. Des cheveux blancs bien pétants. Mais ils sont pas pétants aussi, les cheveux blancs, ils sont ternos là. Parce que bon, c'est Diablo, alors tout dit ternos. J'avais une nécro, franchement, on aurait dit Eva Green. J'ai rajouté du moche. Les persos sont super jolis. Bah, c'est vrai que de toute façon, ils sont charismatiques, tous les persos. Là, j'aime beaucoup, hein. Le côté bleu et rouge et peau foncée comme ça. Je pense que je vais y rester comme ça, c'est bien. Ok. On joue pas en extrême, non. Je suis Draculox. Plus d'aide, moins d'aide. Aide du milieu. Bon, je vais faire moins d'aide parce que j'ai un chat. C'est vrai que c'est recouvert par les armures. Bah, j'espère qu'on verra un peu sa tête quand même. Si, c'est très bien extrême. Bah, moi, ça m'amuse pas en fait. Je plus sois le look, merci. La coupe est trop... la coupe, elle envoie. Hein. Je suis d'accord avec toi, Emo. Je suis d'accord avec toi. Je penserai à la technique du camp. Ah oui, dans les cinématiques, ouais, c'est vrai. Oula, qu'est-ce que c'est, ça? Non, on va commencer par le niveau d'aventure 1. Bon, je vais prendre le niveau d'aventure 1. On verra. Expertise 2, sinon pas de challenge. Mais déjà, de base, Diablo, moi je vois pas ça comme un jeu à challenge. Hein. Je vois ça comme un jeu de défouloir. Ça dépend de ce qu'on vient y chercher. Mais moi, je vois ça comme ça. Mais oui, c'est vrai, je pourrais toujours... Ouais, ouais, on montrera à discuter plus tard. Ouais, c'est bon, ça va. Ah, attends. Il faut que j'autorise le pare-feu. Voilà, c'est bon. Le sanctuaire n'a pas été créé pour l'humanité. C'était censé être un refuge, loin de la guerre qui oppose les cieux. Et là, tout d'un coup, c'est vachement bas. Je vais augmenter un peu le son. Ah mais c'est parce que j'ai trop baissé le son dans... Je suis couillonne, excusez-moi. L'ordre des Horadrim. Voilà. A protégé l'humanité. Hélas, cet ordre jadis puissant n'est plus que l'ombre de ce qu'il était.
tandis que les antiques créateurs de sanctuaires sont de retour et convoitent les cœurs des êtres mortels. Fait un peu la gueule, hein, là, notre petite bourrique, là. Ici, l'histoire de leur chute. Dirais la voix de Thomas. Ah, moi, je trouve pas. Ça me fait penser, mais j'ai pas l'impression que ce soit le même comédien qui double. Mais moi, ça me fait penser à la voix de Kevin Spacey. Mais je sais pas le nom de... celui qui double. C'est l'âne de Shrek. Non, il serait un peu plus bavard. Ouais, ouais, le prix, je suis d'accord avec toi. Ça. Oh! On voit bien ses yeux bleus dans les cinématiques. Oh, et les cheveux qui passent par-dessus la... l'épaule, c'est vachement... c'est bien fait, en fait. Oh, elle est classe. Oh, elle est classe. Et oui, c'est la première fois que le jeu est doublé en français. Oh, les yeux... en fait, les yeux bleus, je kiffe. Le jeu est beau, ouais. Le jeu est beau. GG pour ton perso, merci. Le dada, bah oui, parce que ce sera pas tout de suite la monture. Va falloir casquer un max, hein. C'est pas maintenant, les montures. Le jeu, il introduit... pourquoi y a pas de cheval? Même cheval dans Genshin. Franchement, elle pouvait pas rentrer mieux dans la grotte pour être un peu plus à l'abri. On entend des chevaux à mon stade. Oui, tu m'avais dit ça, j'ai jamais fait gaffe, mais tu m'avais dit ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, waouh. Désolé, j'ai pas mis le truc anti-écran blanc. Mais bon, ça va, il a pas duré. Des fois, c'est la belgerie. La belgerie en mois de juillet, c'est compliqué. C'est fini, adieu, bonne nuit. Oui. Ah ouais, non, choisis pas la voix, je pensais. Bah, elle a l'air bien la voix. Okidoki. On va fouiller déjà. Et on va essayer de se rappeler comment jouer. Du coup, j'ai joué un petit peu à la bêta. Mais j'ai pas pu y jouer comme je voulais parce qu'il y a eu des soucis de connexion, machin. J'ai eu des hauts faits. Je peux les taper? Attendez, c'est quoi? Ah, faut que je rebind. Ah, j'ai déjà mon petit machin. Attendez. On va rebind parce que moi, je joue pas en 1, 2, 3, 4. Je suis obligée de le faire sur Genshin, mais j'ai jamais été à l'aise. Et du coup, là, on va changer. Et je vais me mettre en... en... c'est où? Ils sont... calme-toi, les cris là. Peut-être baisser un chouille la musique. C'est où 1, 2, 3, 4 raccourci. Mais je les vois pas. Ah, c'est là. Pardon. Attends, je les vois pas. Ok, attends. Je vais regarder. Valeur par défaut. Le A est déjà pris. Et le E aussi. À la limite, j'inverserai, hein, tout simplement. Ah! Ah oui, la compétence 1, c'est vrai que j'ai fait. On l'a fait comme ça.
A-E-R. La compétence 1, c'est clic gauche. Compétence principale, c'est clic droit. Ah mais non, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça, ce sera plus tard. Il faudrait que je déplace mes compétences, maybe. Oui, je vais faire ça. Forcer le déplacement. C'était pas F, justement, forcer le déplacement avant ? C'était plus pratique. Je vais laisser comme ça pour le moment. Coup d'action, du coup, je vais mettre 1. Descente de monture en attaquant. Oui, bah, ce sera autre chose. Hein. Descente de monture en attaquant, ce sera autre chose. Voilà. Draculox, ça ferait une bonne marque de céréales. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont des Draculitos ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le déplacement à la souris, j'ai trop l'habitude. Ouais, je suis un peu couillonne, j'ai mis clic gauche. Mais ça, je voudrais... Je peux changer ? Ah, mais c'est ça qui devrait être en clic gauche. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Ok. Bon, j'ai tout niqué. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. Je me rappelle juste plus comment j'avais fait. Voilà, se déplacer, interagir. Du coup, compétence 1. A, E, R, F. Ah merde! C'est vrai! Oh, ça m'agace. A, E, R, T. Non, je fais T. Interaction forcée. Est-ce qu'il y a W qui est pris? Mais c'est vrai que j'ai jamais joué manette sur Diablo, alors ça va me perturber. Je me rappelle juste plus comment... comment j'avais bind mes trucs. Notre compétence 3, tiens, voilà. W est pris, fait chier. Bah le F, c'est que c'est un truc forcer le déplacement si c'est... Ah, mais non! Mais oui, j'ai... Attendez. J'avais oublié. C'est my path. C'est vrai que j'utilisais les boutons de la souris. Voilà. Faut que ce soit facile, en fait. Ouais, ce sera mieux. Ok. Là, c'est fait. C'est vrai que je me dis, mais attends, d'habitude, j'utilise ma souris. Et là, j'ai réalisé que j'avais effectivement des boutons de ma souris. Je me suis dit, ah mais oui, voilà, c'est ça que je fais d'habitude. Donc là, c'est là d'où je viens. J'ai déjà des petits ciolettes. Je me rappelais pas que je les avais déjà. Donc, vous avez kiffé le jeu? Ouais, j'espère, hein. Je pense. Ah oui, le sang, c'est un truc qui permet éventuellement de régène ou des trucs comme ça, je crois. Je me rappelle plus trop. Je sais plus, il y avait une touche pour pas bouger tout en tapant. C'est laquelle déjà ? Un autre village abandonné. T'as pas rebondi les autres touches, lesquelles ? Des gros persans, l'obscurité. Non mais c'était sûr. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est féroce. Qu'est-ce que j'ai pas rebondi ? Ou les autres touches, ça me dit rien. Ouais, j'ai pris la version ultimate, c'est pas ça, du coup. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Oh, ça parle mal. Oswen, navrée étrangère, nous vivons des temps difficiles. Cette énergumène vient d'arriver dans notre village et fait du grabuge. Alors faut le buter. Déferlant des ruines. Pour tous nous tuer. Tous nous tuer. Est-ce que c'est le gars qui avait dans la cinématique ? De quoi parle-t-il ?
Venez, je vais vous expliquer. Ah mince, faut que je joue. Tac, tac, tac. Une présence maléfique a envahi les ruines plus au nord. Le pauvre moine que j'avais croisé a dû s'y rendre. Le bouton de la souris que j'avais oublié, ouais. Quelques symptômes qu'il soit. Non, c'est pas le gars qu'on a vu dans la cinématique. Ok, ok. Bah surtout que j'ai pas pris l'habitude de beaucoup les bind, les boutons de la souris, parce que dans pas mal de jeux, c'est pas forcément possible vu que je joue à plein de joueurs indés qui prennent pas forcément en compte le truc. Non. Le feu m'a l'air bien, mais je vais continuer de le surveiller. Quel est cet endroit ? Notre petite ville n'a rien de spécial, mais c'est chez nous. La musique est un peu trop forte par rapport aux voix. On fait les petits réglages, hein, c'est pas passionnant de fou. Voilà, elle est très jolie, mais bon, bah le reste des bruitages est un peu... Voilà, les dialogues surtout en fait sont un peu bas du coup. Nous allons essayer de l'aider, mais il va peut-être falloir le garder dans cet abri pour le moment. Ok. Il a essayé. Pourriez-vous nous protéger de ceux qui rôdent dehors? Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Le mal rassemble ses forces dans ces ruines. Je vais le mater. Oh là là, qu'est-ce qu'il est classe! Oh, merci mille fois. Le maté comme la boisson chaude. Bien sûr, j'ai vu absolument personne, ça s'arrête plus de 20 minutes. Ouais, bah c'est souvent dans Diablo. Oui, c'est ça, ouais. C'est déjà pas mal. On les avait pas en open world. Bah en fait, le problème, c'est que les montures, déjà, elles sont pas accessibles facilement au début. C'est super cher. La route est bloquée. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Ok. Est-ce que c'est lié au prix? Je sais pas. Parce que tu l'as pas tout de suite, hein, la monture. Hein. Et ou la selle ou la monture, je sais pas. Un des deux trucs, c'est super rush. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas. Je passe par là. Ils ont pas eu peur de mes squelettes, les petits gueux. Tant mieux, hein, sinon flemme d'expliquer quand même. Oh, c'est un ours. Faut le buter. Je voulais pas spécialement, mais bon. Ah, j'ai déjà pris des levels, j'ai pas fait gaffe. Mais du coup, j'ai pas du tout de tuto, je pensais que j'en avais un peu au début quand même. Alors, vous avez pris quoi, moi? Faites gicler le sang d'une cible et lui infliger 8 points de dégâts de saignée à 20% de chance de générer une... Une orbe de sang, mais l'orbe de sang ça me fait quoi? Vous rendez 15% de votre maximum de points de vie, ok. 3 éclats d'os, infligeant 2 points de dégâts chacun. Ok. Ah ça c'est pour plutôt du mono ça. Moi j'aime bien le multi. Enfin ça dépend en fait. Bah oui, je l'aurai pas tout de suite, effectivement, Sam. Ma monture, mais ça reste effectivement que du cosmétique, hein. Oui, tout à fait. Quatre par cible. Fauchage. Un large coup. Ah, fauchage, ça peut être bien. Je vais tester fauchage. C'est mon clic gauche, ok. Ok. Est-ce que je peux remettre? Non. J'ai pourtant d'autres points à dépenser, non? J'en avais 3. Compétences. Ah non, 3 c'est la touche pour faire les compétences, c'est vrai. Mais bon, moi j'ai beaucoup l'habitude de... Oh, c'est stylé, j'aime bien. Beaucoup l'habitude de cliquer les compétences. Est-ce que vous vous rappelez la touche pour... faut que je regarde si je l'ai pas remaine. J'ai raté quoi? Oh, t'inquiète, pas grand-chose.
Pareil, la boutique, c'est que du cosmétique. Ouais, moi, je trouve que tant mieux, hein, honnêtement. Pas pour forcer le déplacement, mais pour rester fixe, justement. Tenir la position. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. Parce que je veux pas avancer forcément à chaque fois que je tape. Je suis un peu loin. Je tiens la position un peu loin. J'aime pas prendre de risques, mais je suis une nécromancienne en même temps. Hein. Moi, on fait tout le taf à ma place. Hein. Hop là, oh, mince. Excusez-moi. J'ai cliqué à gauche. Bon, enfin, vous avez pas vu, mais du coup, j'ai niqué mes fenêtres. Mais je vois pas Twitch. Si, c'est bon, je vois. Faut que je vois Twitch parce que sinon, s'il se passe des dingues et que je suis déco, bah je le vois pas forcément et ça fait chier. Voilà. Oh là là, mais ce coup de faux, j'adore. Je pense... Je suis imprenable. Alors, on m'a dit... Mon copain, il m'a dit, les bruitages de Diablo, ils ont jamais changé. Moi, je lui dis, mais si, dans le 3, c'était pas les mêmes. Il m'a dit, si, si. Moi, j'ai l'impression que c'est les mêmes que Diablo 2. Les bruitages, le... Vous savez, les... Enfin, quand les trucs vont en l'air, quand on loot et tout. J'ai l'impression que c'est les mêmes bruitages que le 2. Mais pas les mêmes bruitages que le 3. Et lui, il m'a dit, si, si. Dans Diablo 3, eh ben, c'était les mêmes. J'ai eu la flemme de lancer le jeu pour savoir. Voilà. Si, si. Je suis folle alors. Je suis complètement guedin. Dernière 10-15 minutes, bah j'ai fait mon perso, t'as peut-être pas vu. Elle est trop swag. Mais là on la voit pas bien, mais tu la verras dans les cinématiques. Et du coup il y a des cinématiques. Et du coup j'ai choisi mon nécromancien. Et du coup... J'ai pas les rassurés pour vérifier. Ouais, voilà, non, mais c'est moi qui ai pas tilté. Peut-être que j'avais les bruitages. Ah ! Très bas. Je m'en suis pas rendu compte. C'est bleu cipo. Oh là, je tape tout sans faire exprès. Oh, est-ce que je pourrais avoir un petit pet qui loot tout à ma place ? Moi, j'aimais bien ça. Moi, je veux des pets qui font tout. Je mets peut-être le son un peu fort. Vous me direz, hein. Appuie sur M5. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse mes squelettes. Ah mais non, j'en ai pas encore d'autres, des squelettes. Je peux pas. Ah oui, parce qu'il faut que j'ai tué, je suis bête, et oui. Je peux en avoir 4, ok. Je pensais que je pouvais en avoir 3, j'avais pas fait gaffe que j'en avais eu jusqu'à 4. Hop là. Hop là. Hop là. J'invoque juste parce que je peux invoquer, même ça sert à foil. C'est trop bien. Quel jeu. Déjà j'aime beaucoup. Bon, ça fait plaisir de jouer nécromancienne. Hey, je suis dans le caca. Oh, les squelettes, ils sont en galère. Allez-y, combattez! Voilà, quand ils perdent de la vie, j'en réinvoque d'autres, comme ça. Mais là, celui-là, là, je voudrais le réinvoquer. Ça veut pas. Oh, ils se régénèrent quand ils sont pas en combat. Bon, ça va! J'étais pas sûre de ça. T'as invoqué? T'as eu un 5 étoiles? Parmi mes squelettes, là? Je crois pas. Je crois pas, même pas une titi là. Là on est sur une invocation un peu squelettique en matière de 5 étoiles, tu vois. Ah.
Pardon, je joue. Faut que je fasse quoi, moi, déjà? Faut que je trouve quoi? Faut que je fouille les profondeurs. J'y suis, là? C'est les profondeurs où je suis? À l'abandonné, numéro... niveau 3. Ok. Ah, voilà. Là, on s'enfonce dans les profondeurs. Couloir inferno. Ça a l'air sympa. C'est pour mon modo, ça. J'ai un modo qui doit habiter ici. Oui! Oh, j'adore aussi le fait que quand tu passes un niveau, ça fait... Bah, je vais remettre sur ma faux, moi, je pense. C'est mieux de se focus ou pas? Ah, je peux avoir ça. Si une cible est touchée par fauchage meurt dans les 2 secondes qui suivent, votre vitesse d'attaque est augmentée 30% pendant 3 secondes. Ok, intéressant. J'aime bien. Je vais prendre ça. Je verrai après ce qu'il faut que je prenne comme autre compétence. On va faire des erreurs, hein. Rapide. Oui, très pile. Sympa ton salon infernal, Angelus, ouais, c'est ça. Spacieux, disons. J'ai rien à loot. J'ai pas l'impression. Sur la carte, c'est découvert tout ça. Ça veut dire que j'ai déjà été... J'y suis déjà allé. Bizarre. Oh, des petits diablotins. On a 21, dame. Ah ouais, j'ai des objets, merci. On... Ah oui, si, c'est bien. Ça, c'est pourri. Ça, c'est bien. Ça, c'est mieux. Ok. J'ai encore un truc là? J'ai accès à quoi ici? Prélèvement. Vous projetez une lance de sang qui reste plantée dans l'adversaire pendant 3 secondes, infligeant 29 points de dégâts à cette cible ainsi qu'à toutes... On se calme, parce que j'ai besoin de me concentrer. Ainsi qu'à toutes les autres cibles empalées. Ok, donc là ça va être tous les sorts qui vont me permettre de gagner en rage ou en je sais pas quoi. Enfin, je sais plus, mais voilà, en gros, mana ou rage ou sang ou je ne sais quoi, bref. La monnaie d'attaque. Vous drainez le sang de l'adversaire, ce qui inflige 7 points de dégâts et émet une nova de sang qui inflige 18 points de dégâts. Oh, c'est bien ça, les novas. Ok. Vous libérez un chancre concentré. Ok. L'essence. Ouais. Tu m'as pris pour une Twingo ou quoi? Votre forme spectrale charge vers l'avant. En infligeant 24 points de dégâts avec sa faux, puis revient vers vous. C'est stylus, hein? Oh, ça, c'est très nécromancien, tiens. Fait jaillir au sol une lance d'os. Oh, c'est bien. Mais tout me plaît, je veux tout. Prélèvement est basique, mais intéressant, en vrai. Ah non, c'est ça qui me permet d'avoir de l'essence. C'est plutôt ça, en fait. Plus que ça. Bonjour, Alix! Ah, j'hésite. On va tester la charge vers l'avant, juste parce que c'est très métal. Et que je suis team faux, là, en ce moment. On va tester ça. On pourra de toute façon changer et remettre respect, tout ça. Donc on verra. Mais j'aime bien ce côté projetage vers l'avant. On va être en mode un peu YOLO. Le rapport entre... Le jeu, une Twingo. Je sais pas, on parle d'essence, j'y peux rien.
d'avoir l'occasion d'y jouer. Il y a le crossplay en tout cas entre les gens console et les gens PC, je pense que oui hein. Oh, ça avait l'air stylé, j'ai fait mon clic droit, c'est stylé. Ah, mon clic droit, c'est ce qui use mon essence. Et mon clic gauche, c'est ce qui récupère mon essence. C'est ça. Elle se régénère toute seule. Mais mon clic gauche aide à la régénérer. Vous voyez ? Si vous voyez, je vous apprends moi. Moi quand j'aurais vendu mon appart, ouais. J'ai deux mains mais au pire je peux en vendre une moitié d'une quoi. Je sais pas à qui ça va servir. Ça va super et vous? Ouais, je suis content de jouer au jeu. J'ai perdu un peu de vie. Je vois pas trop ma faux là, attendez. Ah ouais, si c'est bien. C'est vraiment une attaque à distance, j'aime bien. J'aime bien, je sais pas si je garderai ça, mais juste au niveau gameplay pur, c'est sympa. Vite. Pareil, ce bruitage, c'était le même dans Diablo 3 ? Tellement après, c'est que les bruitages de Diablo 2. Je suis Mais c'est mon cerveau qui est complètement... qui est complètement cursed par le fait que tout le monde est fan de Diablo 2 alors que moi j'y ai jamais joué. Et du coup j'ai l'impression que tout vient de Diablo 2 alors que j'ai joué au 3 et j'aurais pu se comparer avec le 3. Moi. Ah ! Oh non mes petits... C'est pas mes nécromanciens, c'est des squelettes. Attention les squelettes ! C'est quoi déjà? J'ai oublié. Ah oui, c'est ça! Putain, j'ai oublié la touche pour invoquer. Ah! On va tuer Diablo Day One. Fossule, trop fossule. Ça me donne pas du soin ça? Ah je croyais, j'ai mal compris. Ah ouais, j'ai une faux. C'est pas du soin ça du coup. Je pensais hein. C'est pas du soin hein. Ok. J'ai dit loot. Ah c'est une offend. Ah non pas du tout. Quoi ça? Ah non, c'est que je peux pas avoir d'offense parce que c'est un truc à deux mains. Simplement. Je fouille un peu. Moi je m'en vais. Cucucucu. Comme ça, cucucucu. C'est un appel? Ah oui, c'est ma potion. C'est quoi ma potion? Ah, c'est Q. C'est pour ça que tu dis Q. Je me disais, c'est bizarre. Q pour il, toujours. Ça va. J'ai compris. J'avais oublié qu'on avait une potion dans ce jeu. I forgot the potions. Mais ouais, j'avais oublié. Fiac, ouais, c'est ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? La fameuse vitamine Q. J'ai passé la première à parler avec Gilo qui parlait souvent de toi. Oh, bah c'est sympa. J'ai envie de passer, oh, trop mignon, bah oui, elle m'arrête tout à l'heure en plus. Elle était sur Planète Zoo. Bah on devait prévoir du gaming ensemble mais j'ai pas trouvé le truc, je vais essayer de la motiver pour un jeu de course. Je vais essayer. C'est l'heure de parler de FIAC, c'est ça. Il est 23h41, l'heure du FIAC. Les vieilles ruines sont sûres. Votre village n'est plus en danger. Le doublage est très bien. Vraiment?
Mais comme ça. Par la lumière, les cieux vous envoient. Oh, je suis désolée, nous n'avons pas d'argent à vous offrir. Mais nous avons du ragoût chaud, de la bonne compagnie. Restez pour une pinte. Histoire de faire passer le goût du ragoût. Ils vont me bourrer la gueule, I remember. Auriez-vous l'honneur de vous joindre. Je me cache pour la cinématique. Du huc, du huc, du huc, huc, avec ou sans suc. Du huc, du huc, du huc, huc. Bah ouais, mais c'est ça, hein, tu picoles le ventre vide. Ah bah super, hein. Ça sent l'arnaque. Ouais, regardez, ils s'arrêtent tous. Quelle bande de bâtards. Ils m'ont bien trahi quand même, hein. Ça dégoûte. Par contre, elle est trop stylée, ma nécromancienne. Même habillée en haillons comme ça, là. Bah alors, on est bourré. Dirait certains viewers quand ils viennent la première fois sur mon live. Écorcez cette cervoise. J'ai vu mon cadavre et ma bouche s'échapper la haine. Un père brûlait ses enfants au bûcher et une mère brûlait des mâches malheureux. J'ai vu les faibles devenir puissants et une meute d'agneaux dévorer les loups. Des larmes de sang s'abattirent sur un joyau du désert et le chemin des enfers s'étira. J'ai pas lu le dernier mot, j'ai dit un peu. Puis vint une lance de lumière transperçant le cœur de la haine. Et celui qui était né entravé fut libéré de ses chaînes. Prophétie. Ratam. Ratma. Ratam. J'ai pas eu le temps de lire encore une fois. Fruits et légumes par jour, c'est pas pour rien. Effectivement, y a-t-il des légumes et des fruits dans la cervoise? Je suis pas sûre, hein. Elle est nulle, ta chanson, mec. T'as vraiment aucun sens du rythme. Du rythme. Mais punaise, je fais des fausses de frappe, mais en vocal. C'est pas possible. Du rythme, pas du rythme. Putain. Ratma. Merci. Par le sang de la mer et le corps de la mer, vous serez témoin de sa gloire. Et la de ta mère, pardon. Avant de mourir. T'as peur, hein, dis-le, ça te trouble. C'est pas encore prêt. Il va falloir éteindre ton correcteur automatique oral. C'est le moine, ça. Ils arrivent. Je parle pas du doubleur Christophe Lemoine, non, je parle du gars là. Mais je suis rebou. T'auras un peu un petit peu de San Pellegrino là. Nous préserve. J'ai paniqué, du coup j'ai couru partout. Ouais. On va où? On va où? On va où? Dis-moi, il est où mon poteau? Vous voilà désormais béni. Oh merci. Je suis béni. Il n'y en a plus d'autres. Par la volonté. J'ai tué des bonnes sœurs, je suis béni. Parfait. J'ai tout compris à la religion. On va où? C'est nul de paniquer. J'aime beaucoup, écrit comme ça. Ok. L'énergumène
Énergumène. Les hérétiques m'ont drogué à mon retour des ruines. Ouais, pareil. Tout comme vous. J'ai repris mes esprits et me suis enfui. J'ai essayé d'entrer dans la chapelle, mais elle était verrouillée et... Qu'est-ce donc ce maléfice? J'ai vomi des pétales de rose. Des pétales? Oh, mais vraiment en plus. Du sang? Du sang? Oh. Mais qui m'a fait boire du sang? J'ai dû me les faire ingurgiter. C'est un rituel blasphématoire. Qui le leur a enseigné? La réponse se trouve peut-être dans la chapelle. Il la verrouille pour une bonne raison. La femme qui les menait possède sans doute la clé. Possède sans doute. Oui. Mais Oh, je peux dash. Putain, plus de temps. Mais j'avais mis ça ailleurs, mon dash, je crois. Je sais plus. Et oui, je mets ça sur espace. J'ai fait l'inverse, moi. Je faisais l'inverse. Ah oui, c'était mieux. Voilà, j'inverse. Pardon, tu disais... Faut faire quoi? Excuse-moi, j'écoutais pas en vrai. Enfin, si, un peu. Ah, ça. Bon. Ah là, le corps. Ok, on a de la clé. C'est pas la clé de ça. C'est la clé de où? C'est la clé de ça. Et oui, sur espace, c'était mieux que shift. Shift, ça fait mal aux petits doigts. Moi, j'ai mal aux petits doigts quand je fais shift tout le temps. Ah, mais je mettais ça. Bon, on va laisser ça comme ça pour le moment. Et espace pour rester en position. Voilà. Voilà. On va sauvegarder. Let's go. J'ai des points, non? Oh oui, j'ai des points. J'ai un point. Ça fait quoi? Un plus 40% de Tekenicius. Ok. Oh, bah, c'est bien. Je prends. Je vais où? J'ai pas du tout suivi. Excusez-moi, je suis un petit peu... Oulala, hein. Pas tout jeune si tu connais Benny Hill. Oh, on connaît tous sa musique quand même. Elle a été reprise tellement de milliards de fois. Allez voir à l'intérieur, mais hâtez-vous. Je me hâte. Je t'écoute même pas. Tellement je suis hâtée là. Ce que je rêve. Ouh, jolie cinématique. Je cache ma gueule. L'objectif à droite. Oui, mais je l'oublie tout de suite après l'avoir lu. Et du coup, faut que je me rappelle où est l'objectif à droite pour le voir, pour le lire. Bah, relis. Et bah, je le fais. Voilà. C'est juste que je pose la question en haute voix pendant que je cherche en même temps parce que je m'exprime. Tellement l'habitude de voir que personne connaît cette ref que ça me fait sentir vieux. C'est vrai que moi après j'ai pas connu la ref initiale de Benny Hill. Par contre je sais d'où la musique vient, mais sans avoir vu... Votre seul but est de vous... Et jouer. Vous convoiter. Et voler. Honte à vous. Il va faire un tweet longueur. Oh, les jolis pétales. Hey. Ils sont nés pour pêcher. Mes enfants.
Les seigneurs des enfers arrivent pour dévorer notre monde. C'est Véronique. Au gros, la voix là, non ? N'hésite pas dans la lumière. La voix de Marge. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est classe, putain. Toi, vous a appris à renier ce que votre cœur désire. Et vous a rendu prisonnier de vous-même. Jamais vu d'épisode, non. Non, non, jamais, Elix. Brisez vos chaînes. Et découvrez votre véritable destinée. Elle est si classe, oh oui. Brisez vos chaînes. Attention, c'est Peggy 18, apparemment. C'est dans le péché. Oh, elle a les yeux pas verrons, parce que je pense que ça se dit pas... Vu la couleur qu'elle a, mais elle a pas les yeux de la même couleur. Ah, elle l'a possédée du coup. Oh, punaise, elle les possède comme ça. Oh, c'est trop classe. Résistez. Résistez. Oh, je suis fan. Ah. Oh. Fanny, c'est moi. Je vous ai aidé à mettre au monde votre enfant. Oui, j'ai vu la cosplayeuse qui a fait effectivement... Alors, j'ai pas vu son live, j'ai vu juste le résultat sur Insta. Incroyable. Le résultat de la cosplayeuse qu'a refait Lilith en partenariat avec Blizzard, en live, machin. Je sais plus son nom, malheureusement j'en parle, mais bon, je pense que c'est facile à trouver. J'ai juste vu le résultat, qu'est-ce que ça déchire. Il faudrait même que je voie une vidéo de son cosplay, parce qu'on se rend pas compte en photo. Va dans les steppes arides et continue les préparatifs. Maintenant, notre véritable mission commence. Ah, vous avez repris vos esprits grâce à... Eh ben... Je me disais, Blizzard, ils sont forts pour faire des antagonistes féminins ultra stylés. Entre Lilith, Kerrigan, qui me fait beaucoup penser à Lilith aussi, Sylvanas. À chaque fois, ça fait des persos, mais incroyables du fion. Hétérochromie. Ça, ah, d'accord. Dieu Véron, ça se dit, même si c'est pas... Enfin, pour tous les types de Dieu Véron, moi, je pensais que c'était quand tu avais forcément certaines couleurs de Dieu. Allez, let's go. Vous êtes évanoui à l'intérieur. J'ai cru que l'obscurité vous avait englouti. Je vous ai tiré de là avant de mettre le feu à ce lieu maudit. Que vous est-il arrivé là-bas ? J'ai eu une vision. Une démone cornue. Elle disait que les seigneurs des enfers arrivaient. Elle voulait aider les gens à survivre. Les aider ? Elle les a appelés... ses enfants, et ils l'ont accueillie comme une mère. Mère ? Non, c'est impossible. Je dois en informer la cathédrale. Écoutez, un ermite vit à l'est d'ici. Sa loyauté est discutable, mais il connaît des choses interdites. Il peut nous être utile. Lilith, c'est le mauvais plan cul. Cathédrale de Kyovashad. Disons que t'auras pas le contrôle sur la situation, quoi. Faut s'y attendre. Hein. C'est. C'est à tes risques et sourcils, hein, comme certains disent. Ok. Alors, il faut trouver la cabane de l'ermite. Let's go. Oh, mais si tu es prête à. Attendez, mais je peux pas aller là? Je peux pas monter le petit rebord? Là-haut ? Non, c'est un peu haut, si vous me direz. Un petit peu haut. Bah, je vais faire le tour, c'est pas grave. Et y'a quoi dans la maison maintenant ? C'est tout en flammes, je peux pas y aller ? Dans la maison, la chapelle ? Pas de loot, hein. Je ne suis pas encore prête. Monsieur ! Et là, on va arriver après à la première ville ou pas ? Les hôtels de Lilith sont cachés à travers tout le sanctuaire. Attends, sont cachés à travers tout sanctuaire. Ils octroient des bonus permanents aux caractéristiques de tout personnage. Ah bon ? Dextérité augmentée de 2.
pour tous les personnages sur ce royaume. Mais il y a des gens avec moi là ou pas? De manière permanente, mais c'est fou. Routière chanceuse. Les caves sont des petites salles qui peuvent contenir tout un tas de choses. Ah bah j'y vais. Je vais dans la cave. Tu m'as convaincu. Il y a du loot. Mince, c'est coincé. Attendez. Hop. Je vais faire un queue tru. Ça m'énerve, ça se coince. Mettre ça. Comme ça. Ah mais ça se coince encore. Voilà, ah, c'est bon. Tu préfères les femmes plus simples, Elix? Tu n'aimes pas les prêtresses démoniaques? Oh. Je vais casser les cucus, tout à fait. Est-ce que j'ai assez? Oui, c'est bon. Mais là, il n'y a rien, là. Là, j'ai beau tout péter. Il se passe rien, là. Il y a vraiment des loot, normalement, ici? Des pièces, quoi. Bon, après, j'ai cru comprendre que l'argent était... très, très utile dans ce Diablo-là. Contrairement à Diablo 3, où la thune, c'était rarement un souci. Et si ça l'était pendant pas longtemps. Ok, cave un peu ripou, hein. J'ai trouvé des vieux slips qui traînaient, bon. Oula, ça lag. Faut que je fasse mon clic droit, je le fais pas, je fais que mon clic gauche. C'est quoi ça? Sanctuaire. La puissance organique. Ah, les sanctuaires, c'est les trucs temporaires là. Ok. C'est bien parce que je vais plus vite. Par contre, je vais aller par où? Attendez, je vois R. Je descends? Oui, je descends. Ah, 8 pièces, je vais chercher! 19 pièces! C'est bon. Mon or a failli rester dans le froid et la faim. Oh, le coffre. J'aime bien le bruitage. Oui, en début de game, peut-être un peu, ouais, c'est vrai, peut-être. Mais ça l'était pas longtemps. Et c'est vrai que oui, comme tu dis, c'était le YOLO en général. Hein. Ou peut-être quand tu commençais à te dire, bon allez, je me mets à opti vraiment tout. Même là, je sais pas. Je ne suis pas encore prête. Oh, tout ce que j'ai eu. Oh, les araignées, elles m'ont mis Gucci, hein. Oh, c'est... Il y a un mode arachnophobe, vous pensez? Bon, s'il y en avait un, ça c'est que je ne mettrais pas, hein. Mais est-ce que c'est possible que, par exemple, un jeu comme Diablo, un jour, quelqu'un, enfin, que des personnes aient dit, j'ai envie d'y jouer. Mais franchement, les caves araignées, je peux pas y aller. Est-ce que c'est possible, ça? Je m'en rends pas compte, hein, de ce que c'est que d'avoir une phobie vraiment comme ça. Donc en vrai, je dis ça sans jugement, mais un peu quand même. Non, vraiment, je me demande. Parce que bon, à d'autres jeux, on me grandit, évidemment, pourquoi pas? Parce que c'est un peu au cœur du jeu. Mais... Oh, je peux grimper. Ah d'accord, je me disais bien qu'on pouvait grimper. Aucun problème de Mora pour Diablo 4. Ok, merci. Ah oui, y'a un mob arachnophobe. J'avoue, j'ai pas regardé en vrai. Mais non. Non, récolte d'herbe.
J'ai pas le temps de lire. Je sais pas à quoi ça va me servir les armes. Tout est bloqué. Nous devrions pouvoir passer une fois la tempête calmée. Oh, mais je peux aller nulle part. Faut que je fasse quoi? Trouver la cabane de l'ermite. Mais je la trouve pas, la cabane de l'ermite. Attendez, où je suis là? Oh, bah elle doit être au milieu, évidemment. C'est pas ça que je voulais faire du tout. Oh, mais il est stylé maintenant, il fait un aller-retour. Il le faisait peut-être déjà avant, mais j'avais pas remarqué. C'est ça, hein? C'est une cabane d'ermite, ça. De toute façon, si c'est une cabane de l'ermite, il y a forcément pas d'autres cabanes autour. Parce que c'est un ermite. Il y a quelqu'un. Oh, c'est un inventaire? Ah! Oh! Qu'est-ce que j'ai? Je vais dire quoi de façon ralente, évidemment, à chaque fois? Let's go. Elle est magnifique. Qu'est-ce que vous cachez? Instrument de soin. On dira fur de façon ralente aussi, t'inquiète. Ça me va. C'est un bon échange de bons procédés. Oula, ça a galéré un peu là. J'ai à boire. Mais j'ai déjà plus. Oh, cinématique. Attendez, je cache ma gueule. Oh, ça va être stylé, il va se passer des trucs. Mais l'ermite, de toute façon, c'est forcément un gars sympa. Vous voyez, ça se voit, non? Non, mais ils font genre, c'est un mec dangereux, il vient juste de chasser. Ça va, le jeu, ça va. Si vous comptez vous introduire chez moi et fouiller dans mes affaires, il va falloir que bouge-moi aussi, je m'introduise en toi. De rester pour le repas. Oh, c'était sûr, c'est un gentil. Le Raph. Une fin de loup. Là, une de ses classes. Franchement, je m'en remets pas. C'est une sacrée histoire. J'aurais préféré qu'elle soit fausse. Croyez-moi. C'est du sacrifice, en fait. Juste cette vision. J'avais l'impression que t'étais là depuis un moment, mais non. Ces gentils villageois. Désolé. Ce sont eux qui vous ont donné le sang. Salut, salut. Le sang d'une démon. Pas n'importe quel démon. La fille de la haine. La mère de sanctuaire. Elle a été bannie il y a longtemps. Mais c'est elle qui a créé ce monde. Comme quoi, hein. Quand on bannit à Viewer, ça peut aller loin. Hein. Le philo dodo, des bisous, sacrifixion. Très bonne question. Sanctuaire a toujours été coincé au milieu de l'éternel conflit. Une guerre entre les anges et les démons. Même comme ça, elles sont sympas les cinématiques, je trouve, avec cet mais angle de vue. N'appartient à aucun camp. Je dirais... Il a d'autres projets pour nous. Elles ont malgré tout une mise en scène cool. Suis-je corrompu? Je n'en suis pas encore sûr. Mais vous êtes clairement lié à elle. Que comptez-vous faire? J'aime trop. M'en servir. Découvrir ce qu'elle cherche. Bien. Dans ce cas, nous ferons équipe. Oh oui! Allez, reposez-vous. Ensuite, nous irons à Kyovacha. Merci Minj, bonne nuit à toi. Et bisous. Si nous n'arrêtons pas les... Merci beaucoup. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Tout sera perdu. Je pense que ce sera un j'aime bien tiers. Slash possible, j'aime beaucoup. Parce que... Parce que pour le moment, je trouve tout cool. Mais après, quand je vais commencer à avoir des problèmes... de pexing, des problèmes de thunes, des problèmes de DPS, ce sera autre chose. Pour le moment, c'est pas le cas. Ma couette m'appelle, grosse journée demain. C'est vrai que demain, on est lundi, bon courage. Bon courage à tous ceux qui ont une semaine qui commence un peu galère ou une grosse journée. Mais merci d'être venu, des oubis, petit Elix, en tout cas. Et puis sinon, bah tu passes en l'heure que tranquille. Voilà, je comprends tout à fait aussi. Mais je shift au lieu de faire mon clic droit. Ça n'a aucun sens parce que c'est vraiment des...
C'est vraiment des trucs vraiment totalement opposés en plus. Mais je le fais. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu une maboule. Ah, je dis des termes forts aussi, des termes puissants. Il est trop calme pour ce qui se passe. Genre, j'étais vraiment encore en train de combattre qu'il était en mode « C'est fou tout ce qui se passe. » Tu es beaucoup trop stoïque. Justement, si c'est fou, alors aie l'air un peu d'avoir un brin de folie. Bon, je te parle. L'ange Inarius, vous avez sûrement entendu la cathédrale de la lumière vous rebattre les oreilles au sujet de leur père sacré. Bouf, eh bien, trop. Ah. Un véritable ange est parmi nous. En l'urque. Quand il apprendra que Lilith est ici, le sang coulera. Ce sont de vieux ennemis. On leur cavoue des bisous, Steve. Ils vont entraîner le monde entier dans leur querelle. À moins que nous y mettions un terme. Hein ? Ne nous oui. Pas. Kyovashad se trouve droit devant. Ok. Mais faut que je l'accompagne là. Ah, ça c'est la ville. Non. Pour entrer dans la ville, vous devez d'abord. Nous n'avons pas le temps. Comment on lui a mis un stop? Ah, c'était très drôle. Vous devez d'abord non. Ah, c'était très drôle, mais je suis obligée de continuer. En vrai, je suis obligée de m'arrêter là. Mais c'était très drôle parce qu'il a dit vous n'avez pas le temps pile parce que je m'en. Enfin, je trouvais ça fou. Cinématique? Non, c'est pas une voie cinématique là. Pour entrer dans le Kyovashad, vous devez réaliser un rituel purificateur. Hein? Un geste futile s'il en est, mais il en rassure certains. Comment osez-vous? Laissez-le passer, mon garçon. Il est impossible de convaincre Lorat d'accomplir le rituel. Eh bien. Bon, il avait pas l'air. Elle reste ici. Non! On se retrouve à l'intérieur. Quoi? Prenez un morceau de saint cèdre du sanctuaire et inscrivez dessus le péché qui vous trouble. Oh, mais carrément, on doit. Ensuite. On doit spoil son péché? Zéro. Ah non, ça va alors. Comme le feu qui consume le bois. En vrai, c'est marrant. La lumière consumera votre péché. Graver peur sur un morceau de bois, c'est pas un péché la peur, c'est de la survie. Graver colère sur un morceau de bois, c'est pas un péché la colère, c'est une émotion. Graver orgueil, ça pour le coup, je vois ça comme un truc, voilà. Avarice, ouais, c'est de l'économie. Il faut n'importe quoi, ouais, franchement. C'est une perte. J'ai marqué quoi, Koubé? Qu'avez-vous dit? Voilà. C'est fini. Très bien. Je suis sûr que vous devez vous sentir soulagé d'un énorme poids. Tempête sur le garde. À Kyovashad. Kyovashad. Je ne peux pas faire ça ici. Je tâche. J'ai des sorts à mettre. On va le faire. J'entre dans la ville, je parle et j'en fais ça. Ça y est, on est dans la ville! Qu'avez-vous écrit sur ce bout de bois? Rien du tout, je parie. Écrit fin, ouais. Je ne vous en voudrais pas. Eh bien, je pars dans les steppes arides. Cherchez l'homme au teint pâle de votre vision. Steppes arides? Je dois savoir quel est son rôle dans tout ça. Mais d'abord, allez récupérer un objet qui m'appartient pendant que je termine de négocier. C'est un marchand du centre-ville qui l'a. Dites-lui que je vous envoie. Ok. Je vais. Abîmé, le dos creux, calme-toi. Les yeux embrumés. Cette pauvre bête attire déjà les mouches. Avec ce que vous payez, estimez-vous heureux qu'elle ait quatre pattes. Vous pourriez prendre le chiffon plus tard? Moi, je suis occupé là. Qu'est-ce que je peux faire? Inflige 2% de dégâts supplémentaires à chaque serviteur que vous avez. Pour chaque serviteur que vous avez lors de son utilisation. Ok. J'ai 8% sup pour le moment. Ah, j'ai le livre des morts aussi. Bon, je vais faire ça. Ah, c'est ça. Alors, ça fait des guerriers squelettes. Il y a quoi d'autre? Il y aura mage squelette ou golem? Et en guerrier, je peux mettre escarmoucheur. Oh, les faucheurs. Oh, je les ai tous juste tués. Je suis déso.
pouvez ramener les guerriers escarmoucheurs supplémentaires à la vie. Bah c'est bien ça. Chaque fois que vous infligez un coup critique, la prochaine attaque de vos guerriers escarmoucheurs est également un coup critique et affiche 50% de dégâts supplémentaires. Moi j'aime bien 1 en plus. J'aime bien. Je vais prendre ça. C'est super. Mets-moi fort. Compétences, j'en ai d'autres ? Non, j'en ai pas d'autres. J'attribue alors. J'ai des sorts à mettre, ça me rappelle que je dois sortir les poubelles. Je vais faire ça. Faire deux autres trucs, puis je re, ça marche. Et oui, ça, le petit rituel, effectivement. C'était, je crois, en angle droit quand on parlait sur un de ses lives, le petit rituel de est-ce que vous avez sorti le chien, sorti des poubelles, enlevé le linge du lave-linge ou de la vaisselle. Voilà. Donc, petit rappel, est-ce que vous avez ça à faire? Je trouvais ça pas con. Parce que souvent, c'est mon cas aussi. Notamment la machine. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de mana. A finalement décidé de la racheter. Le connaissant, il ne vous a pas parlé du prix, j'imagine. Ah, c'est moi qui vais casquer ? Il est fou ? S'il veut son arme, va falloir mettre la main à la poche. Mettre la main au fourreau, ouais ? Acheter l'arme ? Quoi ? 20 dollars ? 20 euros ? Ah, mais j'en ai 2 millions. Non, j'ai 2445 euros. Ah bah vous les voyez, c'est là. Et c'était aussi là. Non mais ça va, 20 euros. C'est ça, hein. Ça va, c'est que dalle, c'est la moins chère de tous. 2014, je faisais quoi en 2014? Je fais quoi en 2082? Pff, c'est loin, ça. Ok. Attendez. Le vieux m'a vendu ça aussi. Il disait ne plus en avoir besoin, mais... je pense qu'il sera content de la récupérer. Amulette étrange. Et qu'est-ce que je fais? Je peux vendre ça ou non? Faut que je recycle, c'est ça? Comment je peux faire? Ça, va falloir que je sache comment, parce que j'ai bientôt plus de place. Je ne ferai pas ça en ville. Ah, t'as Normandie, Elix? Ok. Ah, toutes mes excuses. Il m'a aussi donné cette amulette. Qu'est-ce que c'est? La marque des Horadrim. Un ordre ancien d'érudits et de mages qui avait juré de protéger Sanctuaire des démons. Il ne reste que peu d'entre nous désormais. Ah, c'est un Horadrim, oui. Il y a un autre Horadrim, Donan. On dirait qu'il... Vous devriez le trouver à ce moment-là. Utilisez des rituels sataniques. Mais n'oubliez pas la cathédrale. On vous y attend. Et les alliés que vous y trouverez pourraient s'avérer utiles, eux aussi. Vous ne venez pas avec moi? Non, il s'en va, il a dit. C'est paride pour découvrir qui est cet homme au teint pâle. Mais oui, il l'a déjà dit, ça. Quand vous le pourrez. Mais prudence. C'était paride. On dirait un seul mot. C'était paride. Avec Lilith. C'était paride. C'était sympa, c'était paride, quoi. Vous êtes la clé pour la trouver et mettre un terme à ses projets. Ok. Dans la vie, nos chemins sont parfois destinés à en croiser d'autres, même si on l'ignore. Que ce soit le fruit du destin ou celui du hasard, nous n'y pouvons rien.